Je me nomme Dobby Doa Séraphin. Je suis le sacristain du Bon Berger, justement à Djoubé Carrefour. Alors, à l'instant, nous sommes au palais. Comme vous le voyez, où est actuellement installé le chandelier. Oui. C'est le palais. Hein. Alors, cette église, la paroisse, précisément, est née depuis 1982. Oui. Bon, le premier chargé, alors celui dont moi j'ai trouvé, alors l'évangéliste Thibaut Paul, qui est actuellement chef de région, superviseur de la région de Guémont, qui est l'évangéliste tutelle. De la maison. Alors, avant lui, il y a eu le chargé Naï Batlemi. À l'heure actuelle, nous avons un jeune chargé qui est un grade de senior leader, Eli Géou. Depuis 2016, lui qui est monté. Oui. Sur le drone. Alors il dit c'est un jour de colère, un jour de mercredi. À 9h on a fait le piton. Alors chacun a dit la l'activité. Actuellement, nous sommes dans la paroisse elle-même, la paroisse Bon Berger du Coué Carrefour. Tout à l'heure, nous étions au pavis. Alors, actuellement, nous sommes dans la paroisse elle-même. Alors, comme vous le voyez, au fond, c'est le chandelier avec les 7 lampes. Alors, le symbole de l'église chrétienne céleste. Vous voyez les dispositifs. Des chaises, 12 de côté à gauche, 12 de côté à droite. Alors, deux chaises disposées de façon qu'on puisse attendre le père et le fils. Là, tout juste, où se trouve le petit chandelier à trois bougies, le petit hôtel. Alors, voici la manière qu'on dispose des chaises aussi, de l'autre côté gauche. À droite. Là, c'est le podium. C'est le podium. C'est ici la chorale chante. Le moteur de l'église. Là, c'est la sanctification où on dépose tout ce qui est bouteille au bénito. Que ce soit les sachets de sel. Alors, si ce qui concerne les cérémonies de l'église, c'est là que se passe. Et vous voyez là, le petit pupitre, le petit pupitre et le grand pupitre. Le petit, lui, sert l'autre jour du soir, comme dimanche aussi. Le grand aussi, il est uniquement là pour le dimanche. Les prédications. Là, vous voyez ce côté, deux grandes chaises. Là, c'est la chaise du moment de l'église. C'est qui est considéré comme la Vierge Marie. Ici, c'est donc. Elle a choisi à gauche à son côté pour l'aider dans sa tâche. Vous voyez là, une route qui est tracée. Pour que vous puissiez comprendre, c'est une route. Mais normalement, oui,
c'est ça. C'est ici, pas sur Jésus-Christ lui-même. Les jours du sabbat, les dimanches, on ouvre grandement les portes. Alors, c'est par là, passe tous les rois. Accompagne les cantiques. Ce mois-là, le petit hôtel est dégagé. Le conducteur, il rentre au fond, dans la chambre. Et c'est là, c'est lui qui conduit le bateau en mer, le voilà le bateau en mer. Alors, il s'assure de plus qu'au grand train, alors qu'il redescend. Alors, nous tous se procèdent à elle, est parti pour la chorale quand il est sorti. Et ensuite, le conducteur est devant, nous ressortons. Arrivé à la porte. Alors, on n'a pas commencé au début à la porte, mais pour terminer, je dirais que on sort. Tout le monde sort. Le conducteur qui a conduit ce jour, toujours devant. Alors, il a son voulant au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il prie, il termine. Alors, les sept fois, il y a les quatre points. On termine, main dans main, on se salue. Alors, s'il y avait des réunions, petites réunions, bon, tiens les petites réunions, et bon, chacun sera à la maison. S'il y a plus du soir, alors on réveille le soir pour le plus du soir. Donc, oh, le céleste, vraiment, tout est organisé de façon propre. Alors, souvent, bon, si on peut aller un peu profondément, cette église même, tout ce qu'on fait dedans, c'est spirituel. Tout est retiré de la Bible. Tout est tiré de la Bible. Les sept lampes, dont je viens de parler tout à l'heure, qui sont allumées au grand hôtel. Il parle de sept lampes. D'accord, mais le monde, ce n'est pas les lampes qu'on va allumer à l'hôtel. Sur les chandeliers, donc c'est replanté par des bougies. Voilà. Tout ça, c'est tout dans la Bible. Le petit chandelier qui est là, trois bougies, trois lampes. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans cette maison, les hommes qui peuvent monter au grand hôtel. D'autres sont limités là. Les gens qui doivent apprendre, voilà, à conduire, eux, ils sont limités là. Voilà. Dans le petit hôtel, lui, c'est son col. C'est pour les jeunes. Les cris du soir, les actions de grâce, des 5 heures jusqu'à 21 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, ainsi de suite. Cette heure n'est jamais fermée. Elle est toujours ouverte. Puisqu'on peut avoir toujours des malades, des cas. Donc elle n'est jamais fermée. C'est comme un hôpital. Les docteurs sont là, les voyants sont là, les agités sont là, les dévassiers, les matous, le monde est là. Quand il y a un cas, l'élément vient, on le sanctifie, il rentre ici. Bon, s'il y a un visionnaire qui est là, bon, on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous venez voir, il y a un problème, vraiment, ça ne va pas dans ma vie. Alors, le visionnaire prend position devant le visionnaire. Puis bon, ok, on prend des notes, son ordonnance. On lui fait une ordonnance. Alors, bon, ce qu'il faut acheter, si lui-même, il connaît ce qu'il faut acheter, alors il passe son ordonnance, il va sur le marché. Ou dans le cas contraire, pour faciliter les choses, le visionnaire est mieux placé, même par dessus le marché, acheter ces choses. Alors, il vient, ses semis sont composés, accompagnés des prières. La prière avant tout. Voilà. La semis va accomplir les choses. Sinon, la parole même, la prière avant tout. Alors, Dieu qui est notre Père à tous, à lui le reste. Il a révélé, automatiquement, ils sont mis au pied, au mur. Voilà. Donc, oh, ça lui dégâtait toute la situation. Alors, si c'était un couvent de 3 jours, ou une semaine, alors le patient, chaque soir, il est exposé. On fait ses prières. Si les 3 jours finissent, alors, au fur et à mesure qu'on fait ses prières, on l'expose, le visage ne suit un esprit. Alors, les prières ont été faites. Ça va ou ça ne va pas. Si ça va, bon, ton couvent est fini. Si ça ne va pas, Dieu dit de prendre encore ton couvent. Il met une semaine dessus. Et le patient, il continue son couvent. Tout ce qui est spirituel, c'est ici. Tu as le palu qui vient, ça là, ça c'est le palu. Voilà. Mais cas de sorcellerie,
il y a un blocage dans ma vie. Bon, je suis malade. Vraiment, je veux voyager, mais je ne comprends pas. Toutes ces choses-là, l'Afrique, c'est l'Afrique. Donc, Dieu sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il fait. Mais donc, laquelle il a envoyé, mais cette église, ça coûte tout cela. Donc, l'église céleste est pour tout le monde. Est pour tout le monde. Il y en a qui quittent la police. Les musulmans qui quittent la police. Décanter la situation. D'autres personnes de d'autres églises catholiques, ils viennent ici. Et quand ils viennent, ça passe. Mais on va rester là-bas et puis défier l'autre église, parler mal de l'autre église. Nous, chez nous, ici, bon, ça ne se fait pas. Mais beaucoup le font. Ça ne se fait pas. Donc, le masque que j'ai à vous donner sur cette église, le masque peu là, vous pouvez le prendre comme ça. Merci beaucoup.